Cette fois-ci, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, permettez-moi au départ de remercier les organisateurs de ce symposium, de m'avoir invité et de m'avoir donné la possibilité de parler d'un sujet très important qui touche tout le monde. Et c'est au prévu donc le symposium en anglais, mais puisque la quasi-totalité de l'audience est francophone, donc je vais faire l'exposé en français. Mais avant ça, je voudrais peut-être, je ne sais pas s'il y a des anglophones, d'autres anglophones, je voudrais dire un petit mot pour les anglophones. I would like to welcome our English speaking guests. And apologize to make the presentation in French, but you will have the slides in English, so you can. You speak slow, I will have. Okay, very good. Not so slow. The slides are in English. Voilà, donc je reviens à notre exposé qui concerne une réforme qui a eu lieu en Tunisie, au ministère de l'Agriculture, sur la procédure d'homologation des pesticides et qui a duré à peu près 3-4 ans, de 2009 jusqu'à 2012. Alors ce sujet, pour l'introduire, d'abord, on pourrait dire que, à propos des pesticides d'une façon générale, ce sont des poisons chimiques qu'on utilise pour lutter contre les maladies et les insectes, donc contre les ennemis de culture d'une façon générale, et que, malheureusement, jusqu'ici, c'est la méthode la plus efficace pour lutter contre les ennemis de culture. De l'autre côté, ce sont des poisons, donc ce sont des produits qui sont toxiques à l'homme et à l'animal, et en plus qui sont polluants à l'environnement et qui peuvent provoquer donc un déséquilibre grave au niveau de de l'environnement. Alors, tous les pays du monde se dotent d'un arsenal de textes juridiques dans le but de contrôler la production et la commercialisation des pesticides. Pourquoi ? Pour essayer de réduire au minimum les effets néfastes de ces pesticides contre l'homme et l'animal et contre l'environnement. Et les pesticides utilisés depuis plus d'un siècle, maintenant, l'homme commence à se rendre compte du grand risque d'utilisation des pesticides et qu'il va prendre donc des précautions. La tendance générale dans le monde, depuis 4 à 5 décennies, beaucoup de recherches sont orientées vers des solutions alternatives pour les pesticides. Pourquoi ? Pour remplacer les pesticides ou au moins réduire leur utilisation. Ces méthodes sont connues, culturelles, biologiques, génétiques, etc. Et on les groupe toutes dans l'ensemble de la lutte intégrée. En France, par exemple, il a été programmé de réduire entre 2010 et 2018 l'utilisation des pesticides dans l'agriculture à 50%. Réduire 50%, de 50% l'utilisation de ces pesticides. Quand on voit les directives de l'Union européenne, on voit qu'il y a une nette orientation vers tout ce qui est lutte biologique et réduction de l'utilisation des pesticides. Alors, je vais commencer donc cette conférence par un rappel ou un historique. Le texte de base, c'est la loi. C'est la loi 72 de 1992. Qui est la loi de la protection des plantes. Et dans cette loi, il y a un chapitre consacré aux pesticides pour leur production, la commerce, l'importation et tout. Et il y a donc 6 articles qui sont consacrés spécialement aux pesticides au niveau de ce décret qui paraît très rapidement après la loi, en 1992. Ensuite, je parle ici de la loi, mais voilà le décret qui est paru par la suite, très rapidement, qui explique le détail, comment gérer l'homologation, l'importation, la commercialisation des pesticides de façon générale. C'est un décret en 1992
qui comprend 25 articles sur l'utilisation et la manipulation des pesticides. Il y a également un arrêt du ministre de l'Agriculture en même année qui désigne quel est le laboratoire de référence pour les analyses des pesticides. Eh bien, jusqu'à maintenant, c'est le seul labo, c'est le laboratoire d'analyse des pesticides du ministère de l'Agriculture qui est le labo de référence pour tout ce qui est analyse de pesticides. Sachant que ce sont des analyses, pour être clair, c'est pour analyser les substances actives. Il n'y a pas moyen d'analyser beaucoup d'autres choses, on va y revenir d'autres temps. Un petit changement en 2003, lorsqu'il y a eu l'idée de faciliter un peu d'éliminer un peu la bureaucratie et faciliter la tâche aux importateurs, il y a eu en 2003 le changement, au lieu d'un agrément pour l'importation et la commercialisation, on a changé ça en gain de charge. Bon, ça c'était juste pour indiquer ça. Alors, la situation qui existait avant 2009, c'est donc déjà 2008, il y a un décret. Ce décret, il parle des frais d'homologation. Alors, dans cette situation, on peut voir qu'au laboratoire, l'analyse de laboratoire coûte 2500 dinars et les essais de terrain 2000 dinars pour un fongicide nouveau d'origine. Alors qu'un fongicide homologué sur le dossier, ça veut dire un générique. Et c'est quoi un générique? C'est une copie du produit original. Et le générique, il suffit de payer 600 dinars pour tout. Hein. Donc, cette différence est énorme. Ce qui nous permet de comparer ici, un produit d'origine nécessite 4500 dinars, ça veut dire donc 2500 dinars pour le labo et 2000 dinars pour les essais de terrain, et il doit attendre 1 ou 2 ans. Pourquoi jusqu'à 2 et même 3 ans? Si la première année, il n'y a pas d'insectes ou il n'y a pas de maladie cette année-là, c'est perdu pour le demandeur de l'homologation. Si pour une raison ou une autre, l'expérimentateur n'a pas fait l'essai, il faut attendre encore. Par contre, pour un produit générique, 600 dinars, ça comprend déjà les analyses de labo, il n'y a pas d'essai de terrain, et combien il va attendre? Juste lorsque la prochaine réunion de la Commission nationale des pesticides. Donc ça prend quelques semaines jusqu'à quelques mois, et là, donc l'homologation, généralement, ça ne pose pas de problème. Alors, le résultat de cette politique, c'est que la Tunisie a été envahie par des pesticides génériques. Et malheureusement, ces génériques viennent surtout de pays en voie de développement. Donc, la quasi-totalité de ces produits est non conforme aux standards internationaux. Et en plus, ils contiennent des produits toxiques que nous avons dit, donc des adjuvants, les additifs à la substance active, tels que les solvants, les métaux lourds, les impuretés, qu'on ne peut pas analyser. Donc, on peut nous mettre n'importe quoi, surtout les solvants qui sont cancérigènes, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le produit. Parce que l'analyse se limite uniquement à la substance active. D'où donc la gravité de la situation. Alors, on a donc en 2008 comme produit 1200 pesticides qui correspondent à peu près 250 substances actives. Et si on fait le rapport entre les deux, c'est à peu près 5, ça veut dire parmi 5 pesticides, il y en a 4 génériques. Donc 4 cinquièmes des pesticides en 2008 en Tunisie sont des génériques en général de très basse qualité et peut-être très toxiques à l'homme et à l'environnement. Ça, c'est un point sur lequel je vais revenir par la suite. Et je passe maintenant à l'organigramme de la défense des cultures. C'est dans le genre de 2001. Donc vous avez ici la direction générale avec deux directions, protection et homologation. La protection a une sous-direction des intrants et une un service d'homologation. Et puis, à côté, il y a une sous-direction pour les analyses, et ça a été fait d'une façon intelligente, séparer les analyses du contrôle, parce qu'il est en contact direct avec le directeur général, de façon à ce que
celui qui fait le contrôle n'est pas lui-même qui fait l'analyse et vice-versa. Alors, la situation qui était en 2008, c'était donc cette homologation. Il y a la commission nationale des pesticides, qui bien sûr présidée par le directeur général, avec dirigée ensuite par la direction de la protection et le service d'analyse. Ce qui est une chose très bizarre, parce que normalement ça doit être sous c'est le travail de la direction de l'homologation. Non, ce n'était pas le cas. Donc, celui qui se donne le directeur général, c'est le directeur de la protection des plantes, et aidé par le responsable des analyses. Et puis, bien sûr, il y a d'autres membres d'autres ministères dans la commission, des pesticides. On voit ici que la direction de l'homologation du contrôle est totalement absente de cette commission. Et en plus, le responsable de l'analyse, il participe aux analyses et en même temps, il participe à la décision d'accepter ou non. Donc, il est à la fois juge et partie. La première modification qui a eu lieu, fin 2008 ou début 2009, c'est de remettre les choses en règle, d'appliquer l'organigramme, c'est-à-dire que le directeur général est secondé par le directeur de l'homologation du contrôle, c'est lui qui s'occupe de ça, et lui-même est aidé par le service d'homologation. Et c'est ça ce qui est logique. Donc là, ça a été modifié dans ce sens-là. Bien sûr, les autres membres des autres ministères. Et puis, là, tout ce qui est des sous-directions des analyses a été éliminé de la commission. Et d'ailleurs, on était allé un peu plus loin en demandant au service de contrôle d'envoyer les échantillons pour analyse sous forme codée. Et l'analyse redonne les résultats au contrôle sous forme codée, de façon à éviter tout contact entre l'importateur et le laboratoire d'analyse. L'importateur doit être normalement en contact seulement avec le contrôleur, mais pas avec celui qui fait les analyses. Ça, c'est une première modification. Deuxième modification, c'est un décret qui a été publié en fin 2010, et dans lequel ce décret il a demandé à toutes les sociétés de refaire l'homologation de nouveau, de tous les produits qui existent en Tunisie. Et donc c'était là une demande, c'était donc l'article 5 qui a été modifié, et il y a plusieurs points nouveaux, dont par exemple le point concernant les pesticides homologués. Un pesticide homologué dans un pays, il faut avoir l'homologation, bien sûr, le certificat d'homologation. Et non seulement ça, mais aussi que ce produit est déjà utilisé dans le pays d'origine. Il n'est pas question pour qu'un pays nous produise des pesticides qu'il nous envoie à utiliser, et lui, il ne l'utilise pas. Donc c'était une condition, il faut démontrer que le produit est utilisé dans le pays d'origine lui-même. D'autres points qui concernent spécifiquement les pesticides génériques, où on demande un dossier avec une étude détaillée sur la toxicité pour l'homme et l'animal, et une étude détaillée sur l'écotoxicité envers l'environnement, et tout ça réalisé par des laboratoires qui sont internationalement accrédités, et donc nous avons donc nos experts dans la commission qui vérifient que le travail a été fait correctement, et ce n'est pas donc n'importe quel dossier qu'ils mettaient avant, qu'ils tiraient de l'internet et qu'ils mettaient pour homologuer. Un autre point, bon, il y a plusieurs points, mais j'ai pris quelques-uns. Les échantillons qui sont amenés pour l'homologation doivent être scellés et surtout accompagnés d'un bulletin d'analyse qui indique exactement quels sont les additifs, les solvants, les impuretés et tout ça. Et tout ce détail donné par l'intermédiaire de laboratoires accrédités d'une façon internationale pour que ce soit donc crédible. Ensuite, il a été donné une période, une date limite pour déposer des dossiers de réhomologation et une autre date limite pour liquider le stock au cas où le produit n'est pas homologué. Donc si je résume un peu ce décret,
Et donc, il demande à une réhomologation de tous les produits, les 1200 produits qui existent en Tunisie. Le dossier doit être solide et convaincant, en particulier pour les génériques, et qu'il faut. Il y a une date limite pour déposer les dossiers, sinon le produit est éliminé automatiquement de la liste. Et enfin, il y a un délai pour liquider le stock pour les produits qui ne sont pas homologués. Alors, après ça, il y avait donc l'arrêté du ministre. Je vais aller rapidement. Donc, après ça, il y a l'arrêté du ministre de l'Agriculture en 2011 qui fixe les frais d'homologation, un seul type, donc pour tous les pesticides, qu'ils soient d'origine ou non, et avec une réduction de 50% des frais d'homologation pour les pesticides biologiques. Donc ici, un dossier important. Il n'y a plus de différence entre générique et original. Le laboratoire, les frais 4500 pour tout, l'analyse des essais, et attendre, comme pour notre cas, et puis les pesticides organiques sont en réduit les frais de 50%. Alors, le résultat de ça, c'est une réduction des pesticides en 2012 on a moins de 500 pesticides finalement homologués, au lieu de 1200 qui ont été homologués au départ. Et puis, pour ce qui correspond aux substances actives, 200 qui étaient 250 en 2008. Donc, le rapport montre que maintenant, on a en 2012 un produit sur deux est générique, généralement de bonne qualité, contre 4 produits génériques sur 5 qui sont généralement de mauvaise qualité. Et ceci, j'indique la démarche de l'Union européenne qui fait que entre 1993 et 2009, l'Union européenne a révisé toutes les homologations des substances actives et sont passées de 1000 à 250. Ils ont éliminé 3/4 des substances actives déjà homologuées pendant cette période. Également, une autre approche de la Commission, c'est qu'elle a interdit l'importation de tous les produits PIC de la Convention de Rotterdam. Je ne sais pas si je dois continuer, si monsieur le ministre, 5 minutes encore. Voilà, donc la Convention.